Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, parce que je sais que vous êtes nombreux derrière votre écran. Je suis Cécile Ginoux et donc on va démarrer. Vous voyez aussi ma collègue Sarah en cabas. Voilà. Je ne me voyais pas moi-même, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai activé ma caméra? Bonjour à tous. Ça Bon. continue à arriver un petit peu. Bon, il est 9h59. Voilà. Encore une petite minute. Bon. Alors, je vais basculer d'un écran à un autre de mon côté. Donc, il y aura une partie, on va dire, diaporama, mais pas très grosse, hein, une toute petite partie, et une partie où je vais partager l'image d'une petite caméra que j'ai placée au-dessus d'un tableau pour pouvoir manipuler les réglettes et pouvoir écrire à côté. Voilà. C'est une première. Donc, on espère que ça se passera bien. Voilà. Juste peut-être une précision pour ceux qui sont en train de nous rejoindre et qui ne connaissent pas forcément le format webinaire. Donc en fait, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas, on sait que vous êtes là et merci d'être là. En revanche, donc, si vous voulez poser des questions, je vous renvoie vers l'onglet Converser si c'est effectivement un commentaire. Et pour les questions auxquelles vous désirez une réponse, merci d'utiliser la partie Q&R qui est la partie questions-réponses. Et bonjour Claire, je viens de voir ton message. Voilà. Je m'arrête. Je laisse la main, Cécile. Bien. Alors, on va démarrer. C'est parti. Alors, on va commencer avec un petit peu d'histoire. En fait, depuis des lustres, des mathématiciens, des pédagogues ont cherché à modéliser le nombre et pour faire en sorte que le nombre soit compris de tous, du plus grand nombre, justement. Et puis, la partie algébrique, c'est aussi une partie complexe à comprendre, et ça aussi, il y a eu, sur ce sujet-là, il y a eu beaucoup de recherches. Alors, voilà quelques exemples de modèles en barre, les plus, entre guillemets, récents. Alors, ça commence ici. Voyez, les dates, c'est assez ancien. Ça s'est passé en Allemagne. Et puis, Posner et Langer ont voulu améliorer le modèle et ils sont arrivés à cet outil-là, n'est-ce pas? Et puis ensuite, on en a d'autres qui sont apparus, soit de manière concomitante, ça tout dépend. Voilà. Nous avons eu les outils de Montessori hein, qui reprennent bien un modèle en barre, en ligne, que ce soit les barrettes de perles ou les grandes barres en bois bicolores. Il y a eu aussi donc, les premières boîtes de réglettes Kuisner. Et puis, un Britannique a décidé que. Trouvait que les couleurs ici, ça n'allait pas, il les trouvait trop vives. Donc, il a voulu faire des couleurs plus pastel et faire un accord entre mélange de couleurs et nombres. Bref, vous voyez que ça se ressemble assez, hein. On voit bien ici, les blanches, je ne sais pas si vous voyez, mais les blanches sont toujours blanches. Par contre, après, le reste, ça change un peu. Et les oranges sont toujours oranges. Mais il est arrivé après Kuisner. Après Kuisner est arrivé aussi cette personne. C'est une dame espagnole qui a été beaucoup décorée en Espagne et qui a écrit beaucoup de choses, mais c'est édité qu'en Espagne. Donc elle a appelé ça Las Regletas de Maria Antonia Callas. Elle est toujours en vie, cette dame, et elle forme toujours. Vous pouvez trouver des vidéos d'elle sur YouTube. En fait, c'est une personne qui est d'abord une formatrice Montessori, mais en fait, quand on met bout à bout comment on appelle ça, les barrettes de perles, voilà, je vais m'y remettre, à cause de la petite boucle au bout,
Eh bien, quand on les met bout à bout, ça ne fait pas la longueur souhaitée. C'est-à-dire, si je mets bout à bout la longueur 5 et la longueur 3, eh bien, ça ne fait pas la même longueur que la longueur 8, puisque les boucles font que c'est plus grand. Donc, elle a voulu changer et elle s'est inspirée, hein, c'est presque de la copie, hein, des réglettes Kuisner. Elle en a changé la couleur pour une question de droit. Et sa particularité, c'est qu'elle a rajouté à son matériel des plaques et des cubes de la même couleur. Voilà. Bien. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont inventé des choses en forme de réglettes. Une Française ici qui a inventé la bûchette d'or. Bon, ça s'est pas trop répandu. Et ici, un Allemand qui a repris vous voyez, les réglettes, mais qui a voulu représenter sur chaque face différentes compositions du nombre représenté. Donc voilà, c'est encore en couleur, mais en différentes couleurs. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses de fait. Ceci n'est pas exhaustif. Ah, j'allais oublier Madame Stern. Aux États-Unis, hein, qui a fait ces réglettes qui sont striées en fait. Hein. Donc, pour une question de droit, ce n'est pas les mêmes couleurs que Kuisner, mais c'est le même principe, hein, ça va jusqu'à 10 et c'est strié. Voilà. Donc, à chaque fois, ce sont des mathématiciens qui se sont penchés sur la question, on va dire un peu moins pour Montessori, un peu moins pour Kuisner, même si Kuisner avait une appétence toute particulière pour les mathématiques. Le reste, c'est quand même des mathématiciens qui se sont penchés dessus, hein, sont tous posés la question. Et si on remontait encore plus loin dans l'histoire, on trouverait encore des écrits où le modèle en barre, notamment pour résoudre des problèmes arithmétiques, a été utilisé. Voilà. Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Kuisner, qui est là à gauche, a inventé ses réglettes en Belgique, et puis Monsieur Gattegno l'a rencontré au début des années 50, et il a décidé de proposer à Kuisner de s'associer. Kuisner n'avait à l'époque pas trop envie pas trop envie, pardon, de parcourir le monde. Ça lui allait bien dans son coin tranquillement. Et Gattegno avait envie de vraiment développer ce matériel parce qu'il en voyait beaucoup d'utilité, plus loin même que ce qu'utilisait Kuisner, ce que faisait Kuisner. Et cela vient du fait que Gattegno est d'abord docteur en mathématiques. Et donc le niveau de mathématiques qu'il a lui a permis de voir toute l'étendue d'applications possibles avec ce matériel. Donc, il a fait le tour du monde pour ça. Et je vais vous lire un tout petit passage que Gattegno a écrit à propos de Kuisner. Donc, en 1953, ils se sont associés avec Kuisner. Et il dit: « Ce fut Kuisner qui fournit la solution. La part qui me revint fut de rechercher pourquoi cette solution eut tant de succès et, ayant trouvé la réponse, d'examiner jusqu'à quel point ce que Kuisner avait découvert pouvait être étendu au-delà des premiers degrés de l'éducation, les seuls dont Kuisner se fût jusque-là occupé. Ma contribution consistait à développer et à perfectionner, et je désire une fois de plus exprimer ma profonde gratitude à l'égard du génie de Kuisner, qui alla droit au cœur d'un problème séculaire et découvrit l'instrument simple mais révolutionnaire qui rendra chaque enfant capable de réussir en arithmétique. » Voilà, donc Gattegno n'a pas kidnappé le travail de Kuisner et c'est bien un travail conjoint, une association de ces deux personnages au départ. Ce qui est important de savoir. Bien, eh bien, nous allons passer à l'expérimentation, et nous allons sortir de cet écran pour passer à celui-là. Bien, voilà. Les réglettes que je vais utiliser aujourd'hui, elles sont en bois. Alors, elles sont usées par mes élèves.
C'est une ancienne marque de réglettes. On peut voir que certaines couleuvres peuvent varier d'un bain à un autre bain. Vous voyez, c'est la même réglette, mais d'un bain à un autre bain, on a quelque chose de plus foncé qui est plus proche du violet. Ici, c'est plutôt fuchsia. De nos jours, les réglettes en bois peuvent être tout à fait, en tout cas pour cette couleur-là qui est assez complexe, tout à fait rose. Voilà. Précision. Voilà, donc il y a 10 réglettes, deux grandeurs différentes, c'est-à-dire de longueurs différentes. Elles ne sont pas striées, n'est-ce pas? Et les enfants vont travailler avec ce matériel. Alors, pour démarrer, je vous propose on va suivre un parcours, c'est-à-dire qu'on va parler d'abord d'exercices qu'on pourrait faire en maternelle sans être exhaustif, loin de là, parce que on n'aurait pas le temps pour faire un stage, pour être formé à l'utilisation des réglettes Kuisner. Ça ne se fait pas en 1 heure, loin de là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être travaillées avec les réglettes Kuisner. Une personne que je n'ai pas citée tout à l'heure, qui s'appelle Madeleine Goutard, on verra un peu plus tard, a beaucoup travaillé au niveau des maternelles. Et donc, il est intéressant de voir ce qu'il est possible de faire de façon mathématique en maternelle. Alors, la première chose qui peut être demandée aux élèves, c'est tout simplement de jouer avec. Ma foi, je joue avec, je construis des choses à plat ou bien en volume. Alors, on peut les voir faire des choses comme ça, voilà, grimper. On peut les voir faire des choses comme ceci, voilà. Par exemple. Oups, ils sont plus doués que moi. Voilà, c'est-à-dire en volume, d'accord? Et ils cherchent. À un moment donné, les constructions peuvent être plus complexes, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire des choses de ce style-là, en volume, c'est-à-dire ils vont mettre l'une sur l'autre. Je vais me mettre un peu plus loin que vous voyez mieux. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont comparer les longueurs et dire, ben ça va marcher parce que j'ai plus de jaune, admettons. Voilà, j'ai plus de jaune, mais je voudrais quand même faire une porte. Et du coup, je peux me permettre de faire une porte parce que j'ai trouvé une équivalence de longueur. Je vous le mets à plat, mais voilà ce que ça donne. Donc, de manière tout à fait autonome, les enfants, par le jeu libre, vont faire des structures. Ils vont découvrir des relations entre les réglettes. Et ce qui nous intéresse, c'est de travailler ces relations. Alors, nous, en tant que maîtres, une fois qu'ils ont bien joué, on va leur proposer de prendre, par exemple, une réglette de 3 couleurs différentes. Admettons, je peux demander à mes élèves de prendre la jaune, la rouge et la vert foncé. Il y aura un travail en vocabulaire à faire entre vert foncé et vert clair. Bien, on leur demande de mettre ça dans les mains, de mélanger. Alors, vous imaginez, c'est des mains de petits enfants, donc ça va être grand dans leurs mains, ça va dépasser, ça va pas être très, très simple. Alors, on peut leur demander de poser ça, de mettre ça dans leurs mains, sous la table par exemple, ou hop, dessous un tissu. Et puis, on va leur demander, tiens, est-ce que tu peux sortir la réglette rouge? Qu'est-ce que je fais dessous? Alors que c'est caché, je ne vois pas, hein, ce n'est pas mes yeux qui travaillent. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais travailler le côté kinesthésie. Et je fais découvrir aux élèves, par cette recherche, qu'est-ce que je leur fais découvrir? Ben, je leur fais découvrir les équivalences entre couleur et longueur. Jaune et vert foncé. Mais je peux aussi leur demander, tiens, est-ce que tu peux sortir la réglette qui est la plus longue? D'accord? Est-ce que tu peux montrer la réglette qui est la plus courte? Est-ce que tu peux montrer la réglette qui est juste un petit peu plus courte que la vert foncé? Et ainsi de suite. Plus longue, plus courte.
Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met à l'intérieur des mains, de façon kinesthésique, on leur fait comprendre les relations entre les réglettes. Alors là, j'ai pris trois comme ça, mais on refera l'exercice avec trois autres, hein. On peut très bien prendre celle-ci, par exemple, etc. D'accord? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ils vont être au contact, ils vont faire une prise de conscience, ce qu'appelle Madeleine Goutard la propriété transitive des relations d'équivalence et d'ordre. Alors, c'est un grand terme mathématique. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se rendre compte, s'ils ne l'ont pas déjà fait, en tout cas, ils pourront dire, si je prends une jaune, elle a une certaine longueur. Et je peux dire que, par exemple, elle est plus longue que la rouge. Mais si je prends une autre jaune, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire n'importe quelle réglette jaune à la même longueur. Et la longueur de la réglette jaune se retrouve dans n'importe quelle réglette jaune. Voilà. Autre chose, je peux leur faire découvrir que je peux dire... La réglette rouge est plus petite que la réglette jaune. Et je peux aussi dire, la réglette jaune est plus grande que la réglette rouge. Donc, je peux aussi inverser les termes, ce qui est très important en mathématiques. Bien. Alors, il y a des jeux divers et variés. En maternelle, ils sont fascinés, les enfants, par les grands trains. C'est vraiment une fascination. Alors, ils sont là, ils cherchent, ils font des grands trains. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un train? Ben, c'est ça un train, c'est plusieurs réglettes mises bout à bout. On pourrait leur demander, ben, est-ce qu'on peut trouver le plus grand train possible? Est-ce qu'on pourrait faire encore plus grand? Et encore plus grand? Et toujours encore plus grand. Alors plus grand, plus long, vous voyez le travail à faire en vocabulaire, grand et long, c'est-à-dire de façon concomitante pour les réglettes, puisqu'on est sur une mesure de longueur. D'accord? Et puis, cette recherche va nous mener à, ben en fait, à toucher l'infini, puisque le train le plus grand possible sera fini si on utilise toutes les réglettes de la classe, mais on pourrait imaginer d'en ramener encore un peu plus, d'en acheter un peu plus, etc., etc. Et ça, c'est une recherche qu'ils apprécient beaucoup. Voilà. On peut aussi, une fois qu'on a vu des trains, chercher un train. Faire un train et leur dire, allez-y, faites un train et maintenant, cherchez un train qui aurait la même longueur que celui-là. Vous pouvez changer de réglette, allez-y, changez. Et on y va, on leur fait, ils choisissent les réglettes qu'ils veulent. Est-ce qu'on pourrait en trouver un autre train de la même longueur? Et alors, on continue, on en cherche encore d'autres, ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est dans des sommes équivalentes, n'est-ce pas? Donc, on fait des mathématiques sans le dire. On pourrait faire un autre jeu. Je prends trois réglettes. Une, deux, trois. Je fais un train. Voilà. Et je pourrais leur dire, dites-moi, que avec ces couleurs-là, c'est-à-dire jaune, rouge et vert, est-ce que vous pourriez trouver d'autres trains de la même longueur, mais en rangeant les réglettes de manière différente? Alors, ben, ils vont tâtonner, ils vont chercher, ils vont faire un travail de mathématicien, n'est-ce pas? Oh, tiens. Et puis, ils vont trouver des solutions et on pourrait chercher encore un travail mathématique, c'est est-ce que vous pouvez être sûr d'avoir trouvé toutes les solutions? Et comment on pourrait ranger les trains pour être sûr d'avoir trouvé toutes les solutions? Alors, on est au contact de quoi là? On est au contact de la commutativité de l'addition, c'est-à-dire que le résultat reste le même, quel que soit le rangement de mes réglettes. La longueur reste la même. Et
Voilà comment on peut travailler un peu en maternage. Je ne vous mets pas tout, on pourrait travailler sur la soustraction et la propriété, pardon, la loi de conservation de la différence, on peut travailler sur les rapports des réglettes, on peut travailler sur le début de la notion de multiplication. Il suffit d'avoir des trains de la même couleur. On peut aussi travailler le partage, c'est-à-dire le début de la division, les nombres pairs, les nombres impairs. On travaille énormément le langage. On peut aussi travailler des progressions arithmétiques. C'est très, très vaste. Et tout ce travail, essentiellement à l'oral, c'est un travail préparatoire à la compréhension du calcul numérique. Et il est très important. Alors, à un moment donné, eh bien, ma foi, on grandit. Alors, je ne vais pas faire tous les jeux, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais regarder un peu ma montre qu'on ne dépasse pas. Voilà. On arrive en élémentaire. Et en élémentaire, que faire? Ben, en élémentaire, ben, on va commencer à écrire, n'est-ce pas? Alors, il y a un symbolisme international qui s'est mis en place. Si je les prends dans l'ordre de la plus petite à la plus grande, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, ici, on l'appelle la réglette blanche, et donc on va la symboliser par un B, petit B, ou bien pour ceux qui veulent un B en attaché, ça c'est pas. Voilà, on va garder en script parce que de mettre deux écritures, ça va être difficile sur le tableau, on n'a pas beaucoup de place, mais on pourrait très bien l'écrire en attaché, en lettres liées. Rouge. Vert clair. Donc, ce sont les initiales. Rose. A. Ah, comment différencier les deux? Ben, c'est très simple. Je les regarde. Rouge. Rose. La rose, ben, elle est plus grande. Ça, tous les élèves vous le diront. Ben, elle est plus grande. Alors, il faut un grand R. Ah, d'accord. Alors, il faudra un R majuscule. Et on continue. On a donc jaune, vert foncé. Ah, à nouveau, on a le même problème qu'avec la rouge et la rose, mais on peut le résoudre de la même façon. Bien, ça on a fait. Noir, marron, bleu. Tiens, le même problème qu'on a eu avec une autre paire de réglettes. Résolu de la même manière avec une grande lettre, et puis orange. Et donc, à partir de là, on peut tout à fait écrire les relations que l'on a. Par exemple, on pourrait écrire le train qui est celui-là, je peux le lire, rouge et jaune. Ou bien, qu'est-ce que tu as rajouté à la rouge? La jaune. Ou bien rouge plus jaune. Et je peux l'écrire rouge plus jaune. D'accord? Puis je peux écrire d'autres trains, n'est-ce pas? Admettons, je pourrais écrire celui-là. Alors on y va. Rouge plus marron plus jaune, etc., etc. Il est important d'écrire les trains et de lire les trains. Il ne suffit pas de les écrire, il faut aussi les lire, c'est-à-dire. J'ai un train écrit au tableau, ou j'écris un train, moi enseignante, au tableau, ou bien un élève écrit un train qu'il a fait sur sa table, au tableau, et les élèves essayent de faire le même train. Alors, ben vous voyez qu'en fait, on a un signe mathématique qui est arrivé, qui est ici. Pardon. Qui est ici, qui est le plus. Donc, on est avec un signe mathématique qui prend corps. Et puis, je pourrais aussi dire, ce train, je constate qu'il est de la même longueur, oups, pardon,
qu'il est de la même longueur que cette réglette. Donc, je pourrais dire, ce train est de la même longueur que la réglette noire. Et voilà un autre signe mathématique. Et puis, je pourrais aussi dire, ce train est de la même longueur que ce train. Donc, je peux écrire rouge plus jaune est de la même longueur que vert plus rose. D'accord? Donc, il y a beaucoup de travail à faire ici pour écrire ce que je vois, ce que je construis, ou construire ce que je vois, ce que je lis. N'est-ce pas? Alors là, il y a une petite chose à comprendre. Attention, les élèves ici ne travaillent pas de l'algèbre. En ce sens que ici, ce ne sont pas des inconnus. D'accord? On est au contact des relations. Donc, en effet, il y a de l'algèbre derrière, mais ceux-ci ne sont pas des inconnus. Hein? Les lettres remplacent une perception directe des objets. C'est des objets absolus, objectifs, incontestables. D'accord? On est en présence des objets, là. Et donc, c'est la vérité, c'est comme ça. OK? Et de mettre des signes comme ça, ça préserve les interprétations numériques. D'accord? On n'est pas encore dans le nombre, on est dans les relations. Ça permet aussi de se concentrer entièrement sur la construction de la notation des relations. D'accord? Sans se soucier d'autre chose. Les symboles mathématiques qu'on a là devant nous sont idéographiques et du coup, on a une lecture directe du sens. S'il arrive d'avoir des ambiguïtés, par exemple, je pourrais avoir admettons voilà. Et ma foi, mes élèves ont déjà appris, compris que, parce qu'on a travaillé sur des trains unicolores, voilà, si je fais un train comme ça, j'ai jaune, plus jaune, plus jaune. Mais j'ai aussi combien de fois jaune? Alors, je vais d'abord écrire jaune, plus jaune, plus jaune. Et puis, je peux le dire autrement, c'est-à-dire c'est la même chose que si je dis combien de fois il y a de jaune, ben, il y a trois fois jaune. C'est la même chose que trois fois jaune. Donc, je sais déjà ça. D'accord? Puis, j'arrive ici. J'ai un train comme ça. Et donc, je vais mettre à écrire ce qui est construit ici. Donc, je vais écrire celui-là rose plus... deux fois jaune, plus rose, pardon, plus rouge. Mais certains élèves peuvent dire non, mais moi, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, c'est d'abord rose plus deux, qu'est-ce que je ne comprends pas, on n'était pas avec des. Bon, bref. Eh bien là, les parenthèses arrivent avec leur utilité. Et elles peuvent arriver très très tôt, comme vous le voyez. D'autres signes peuvent arriver très tôt et avoir tout leur sens, comme par exemple celui-ci. Que je peux placer entre ces deux trains, tout comme je peux le placer entre ces deux trains-ci. D'accord? Mais maintenant, si je fais ça, alors, je tourne mon signe. En fait, c'est qu'un seul signe qu'on oriente en fonction de la grandeur que l'on a du côté, bah, par exemple, là, c'est grand. C'est le plus grand de ce côté-là. Voilà. Donc ça arrive assez vite puisqu'on est avec des objets concrets et qu'on les manipule
depuis un moment, on dit plus grand, plus petit, plus long, plus court. Donc, c'est des signes qui arrivent assez vite. On peut aussi travailler sur la multiplication, le partage, etc. Enfin, tout est possible, rien qu'avec les lettres comme on a vu. À un moment donné, on passera au numérique. Et je vais le faire rapidement pour que vous compreniez ce qui se passe. Admettons, j'ai un train qui est celui-là. Voilà. Et puis, je leur demande d'écrire. Alors, jaune plus rose plus vert. Et maintenant, je leur dis, bon, ben alors, maintenant, je voudrais bien parler que en blanche. Ah, alors, ce serait la langue des blancs. Alors, désolé, ils ne sont pas tellement blancs, mais ce sont mes blancs à moi. Et je regarde. Celui-là, il vaut 5 blancs. OK. Celui-là, il vaut 3 blancs. D'accord. Hop. Et celui-là, il vaut 4 blancs. Voilà. Et donc, j'y vais. Je réécris. Alors, j'écris ce train. Et je dis, alors je sais, hein, ça, je connais les équivalences, et j'écris. Donc, 5 blanches plus 4 blanches plus 3 blanches. Ah, mais je peux même trouver combien ça fait de blanches. Et voilà, on est bientôt, bientôt dans le numérique. Parce qu'à un moment donné, les enfants, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont zapper, comme on dit aujourd'hui, ils vont oublier de dire blanche. Ou ils en auront assez d'écrire le B. Et ça, ça vient bien de la mathématique. Les mathématiques, on essaye d'être concis, n'est-ce pas? À un moment donné, on enlève ce qui est inutile si on le pense à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, à un moment donné, je n'aurai plus besoin d'écrire comme ça, mais il faut beaucoup d'exercice, hein? Et puis, je vais pouvoir écrire... En regardant ce train, dans ma tête, je dis blanche, mais j'écris juste le 5. 5 blanches, plus 4 blanches, plus 3 blanches. D'accord. Voilà le passage au numérique. Contrairement à des choses que l'on voit sur Internet, que je vous déconseille, c'est de faire dire aux enfants, eh bien, celle-ci s'appelle 2. Sans montrer ce qu'elle vaut vraiment. Elle vaut 2 blanches. OK ? Celle-ci s'appelle 3, celle-ci s'appelle 4, celle-ci s'appelle 5. Non, elles n'ont pas des noms, les réglettes. D'accord ? Elles ont des valeurs en fonction de qu'est-ce qui les mesure. Si on choisit de les mesurer avec des blanches, alors celle-ci vaut 2, blanches. Celle-ci vaut 3, blanches. Celle-ci vaut 4, blanches. D'accord ? Et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne va plus dire blanche. Hein? Mais on sait de quoi on parle. Et il faut être passé par cette étape-là pour vraiment savoir de quoi on parle. N'est-ce pas? Alors, dans les petites classes, n'est-ce pas, on a étudié les nombres. On a étudié les décompositions additives. Par exemple, si j'étudie cette réglette qui représente... Voilà. On le sait maintenant, qui représente 5 blanches, donc qui vaut 5. Alors, je peux demander à mes élèves, pouvez-vous construire tous les trains de 2 réglettes aussi grands, aussi longs que la réglette jaune, aussi long que la réglette qui vaut 5? Alors, on y va. Alors, je peux avoir des productions comme ça. Ah, puis, ils oublient. Ils ne savent plus qu'ils l'ont déjà fait. Ils continuent. N'est-ce pas? Voilà. Bref, qu'est-ce que je peux voir là? Je peux voir quoi? Alors, on y va. Je peux écrire ce que je viens de trouver. Alors, 5, c'est de la même longueur que 4 plus 1. 5, c'est de la même longueur que 1 plus 4. 5, c'est de la même longueur que 3 plus 2.
5, c'est de la même longueur que 2 plus 3. Ah tiens, j'ai fait la même chose là. Ah, à l'écriture, finalement, peut-être bien que ça va suffire pour que l'élève se dise, c'est bon, je les ai tous. Je suis au contact de quoi? Si je ne l'ai pas fait avant en maternelle, parce que on commence pas tous, les élèves ne commencent pas tous en maternelle, n'est-ce pas? Je vois là ce qu'on appelle la commutativité de l'addition. Je suis au contact de cette propriété de l'addition, ici et là. À un moment donné, les élèves vont tellement bien comprendre cette propriété que, par exemple, pour la réglette qui vaut 8, eh bien, ils vont faire de l'économie. Ils vont être mathématiciens, c'est-à-dire qu'ils vont garder en tête la construction, enfin, de la propriété de l'addition et ils vont juste construire le minimum de trains. Nous pouvons lire dans ce minimum de trains, nous pouvons lire, et ils le feront, des deux côtés. Parce qu'ils ont compris qu'on pouvait les lire dans les deux sens. Finalement, la marron, elle vaut 8, qui est la même chose ou qui est égale à 7 plus 1, mais aussi qui est égale à 1 plus 7, 6 plus 2, 2 plus 6, 5 plus 3, 3 plus 5, 4 plus 4, 4 plus 4, ça va les faire rire, 4 plus 4, 4 plus 4. On les écrit, on peut travailler dessus et on va étudier chacun des nombres tranquillement. Bien, j'avance un petit peu. Je ne ferai pas de la soustraction là aujourd'hui, même si j'imagine que certains sont intéressés. J'ai fait plusieurs vidéos qui sont sur la chaîne YouTube à propos de la soustraction et notamment de la conservation de la différence. Donc, je vous laisse les regarder. Il y en a 7 avec des petits exercices, des fiches d'exercices. Ça vous donnera une idée. La soustraction, elle a 2 sens. Elle a que, admettons, des objets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai 11 objets, j'en enlève 3 et il en reste, ce qui reste, d'accord? Mais elle a aussi un autre sens qui est la différence. Quelle est la différence entre 5 et 2? Ça aussi, c'est une soustraction. Donc, cette partie-là qui est moins bien travaillée dans les manuels scolaires, notamment, elle est expliquée dans les vidéos sur la chaîne YouTube de l'association. Donc, je n'irai pas sur la soustraction. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait voir la multiplication. Et je vous propose de faire un travail là-dessus. Alors, je passe aussi une étape. Hein. Il va y avoir tout un travail de numération que l'on n'a pas fait. Hein, et ça s'appelle les progressions algébriques. Je ne peux pas tout faire en une heure. Donc, c'est lors de formation qu'on peut s'entraîner à comprendre ce qui se passe. Et à un moment donné, on va demander aux élèves de montrer sur leur table, par exemple, 10. Et puis, montrer sur votre table 17. Et puis, montrer sur votre table 14, et montrer derrière ce terme, ce sera avec le moins de réglettes possible et avec, parce que par exemple, si j'ai 14 ici, je pourrais très bien dire, oups, ben j'ai le moins de réglettes possible aussi, hein. J'en ai 2, là j'en ai 2. Donc, 2 consignes, dans ce cas-là, on montre le nombre avec le moins de réglettes possible et dès que c'est possible, on utilise la orange. Pourquoi? Parce qu'on veut travailler sur la numération et on veut travailler sur la dizaine. Alors, je passe cette étape. On peut demander aux élèves d'installer un train qui vaut 24. Et avec ce train qui vaut 24, eh bien, ma foi, on leur demande de construire des trains unicolores. Alors, je vais en construire quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns, qu'on puisse travailler dessus.
Et puis un autre ici. Voilà. Alors, les élèves sont très soigneux. Hein. Ils vont faire ça du mieux qu'ils peuvent pour être sûr que ce soit bien de la même longueur. Et puis, on va pouvoir les lire. Bien, 24, c'est la même chose que 1, 2, 3. 3 fois 8. C'est la même chose que... Et on va écrire. L'écrit est indispensable, n'est-ce pas? C'est une étape d'abstraction. Donc, 24... C'est la même chose que 3 fois 8. 24, c'est la même chose que 1, 2, 3, 4 fois 6. 24, c'est la même chose que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ! 8 fois 3. Et celui-là, 24, c'est la même chose que... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fois 2. Et puis, tiens, je vais faire ce train-là. Il nous manque. Désolée pour la couleur qui change un petit peu, mais c'est bien la même longueur. Les enfants, ça ne les gêne pas trop, hein, que ça change de nuance, que le bain change. Et puis celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 6 fois 4. Maintenant que j'ai ça, je peux aller un petit peu plus loin et procéder à de la mathématisation un peu plus poussée. Et je vais écrire différemment. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 24, c'est la même chose que 3 fois 8, qui est la même chose. J'aurais pu le faire avec les additions. Hein. Qui est la même chose que... Tiens, je vais faire rechercher. Est-ce qu'on utiliserait le 3 et le 8 ailleurs? Oui. Qui est la même chose que... Etc. Si je fais ça, je vois à l'écrit que j'ai la même chose que dans l'addition. Ça s'appelle la commutativité. Et puis, si... je veux vérifier ou je veux voir les choses autrement, alors il m'est possible de composer ce qu'on appelle des tapis. Voilà un tapis. Voilà un autre tapis. J'essaie d'aller le plus vite possible, mais voilà. Voilà un autre. Alors, encore un peu de place. Encore un autre. Et un dernier. Voilà. Ce sont des tapis. On les appelle des tapis, comme ici, on appelle ça un train. D'accord ? Alors, ici, un train. Ici, des tapis. Alors, et je peux regarder, est-ce qu'il y a des tapis superposables ? Ce terme superposable est tout à fait mathématique, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a des tapis superposables? On les laisse chercher et ils vont trouver. Eh bien, voilà. Ici, j'ai 4 fois 6. Ici, j'ai 6 fois 4. C'est superposable. C'est superposable. Et ici, il faudrait... Etc, etc. D'accord? Donc, on peut aussi travailler la commutativité grâce à ces tapis. Bien, alors, je vais garder cela. Et je vais aller assez vite. Désolée, mais je dois aller assez vite. Si je prends ces deux tapis, là, finalement, je peux symboliser le fait que je peux les mettre l'un sur l'autre en faisant ceci. D'accord ? Alors, je ne vais peut-être pas les prendre là, c'est un peu confus. Je vais les prendre comme ça. Voilà.
Je peux symboliser que ces deux tapis se superposent de cette manière-là. Alors, il y a une procédure à faire, mais on a d'autres choses à voir et il faut que j'avance. Donc, le symbolisme voudra dire 6 fois 4, 4 fois 6. Ce sont les croix. De la même manière, ici, je peux aussi faire 8 fois 3 ou bien 3 fois 8, puisque j'aurais pu très bien les superposer dans l'autre sens. D'accord ? Alors là, ben, vous allez me dire, mais en fait, on est dans l'étape de multiplication et vous avez raison. On est dans l'étape de multiplication, n'est-ce pas ? Et finalement, la commutativité, le fait qu'on ait des symboles en croix peut nous faire travailler l'étape de multiplication. Par exemple, je pourrais demander à mes élèves, pouvez-vous trouver une croix qui fait 24 ? En voilà une, il peut y en avoir d'autres. Voilà un petit peu le travail possible à ce niveau-là. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à faire en multiplication, n'est-ce pas ? Mais on va avancer un petit peu et je vais vous proposer un travail de fraction. Alors voilà, je peux demander à mes élèves de faire des trains unicolores. Admettons, on pourrait dire que les élèves n'ont jamais travaillé les réglettes avant, ce serait possible. Et on leur demande, après un petit temps d'appropriation, on leur demande de faire des trains unicolores, c'est-à-dire d'une seule couleur, pour ces deux réglettes. Alors, on y va. Si je sais que je peux faire ça, puis je peux faire ça. Alors, vous les verrez tester. Hein. Vous ne verrez pas des choses aussi rapides. Ils vont essayer comme ça. Ça ne marche pas. Enfin, bref. Hein, voilà. Ici, nous avons ça. Et ceci. Alors, tout à l'heure, je n'avais pas pris les blanches. Mais là, cette fois-ci, on va y aller. Et là, qu'est-ce que je peux voir ? Ben, je peux voir l'aspect multiplicatif, la multiplication. La vert foncé, pour la vert foncé, j'ai fait 3 trains. Je peux voir que pour faire vert foncé, il me faut 2 fois la vert clair ou 3 fois la rouge ou 6 fois la blanche. Mais alors, du coup, si je regarde que cette partie-là, c'est une partie des deux parties qui font 6. Donc, c'est une partie des deux parties de 6. 2, 6. Et si je regarde celle-ci, on va garder ça à côté. Si je regarde celle-ci, alors je peux dire que c'est une partie des trois parties de 6. D'accord ? De 6, parce que je vois qu'elle vaut 6. Si je ne suis pas dans les nombres et que je garde les couleurs, ce n'est pas un problème. Ceci est une partie des deux parties qui font la vert foncé. Ceci est une partie des trois parties de la vert foncé. Donc, vous voyez qu'on peut travailler les fractions soit avec des valeurs numériques, soit sans, c'est-à-dire avec des élèves qui n'ont pas démarré les réglettes avant. Et puis, je peux voir d'autres choses, n'est-ce pas ? Je peux regarder ici et je vois, par exemple, tiens, cette fois-ci, si je suis avec la marron, cette fois-ci, la rouge, 1, 2, 3, 4. Si je prends une rouge, c'est une partie des quatre parties de la marron. Autrement dit, je n'ai plus qu'à poser le vocabulaire commun qu'on entend partout. Une partie des deux parties, c'est un demi, la moitié, un tiers, un quart,
sont les plus difficiles. Et ensuite, finalement, c'est assez facile, puisqu'ici, la blanche, c'est assez répétitif, quoi, c'est très régulier. La blanche, c'est une partie des 8 parties de la marron, et je dis un huitième. La blanche, ici, c'est une partie des 6 parties de la vert foncé, c'est-à-dire un sixième. En fait, c'est irrégulier pour un demi, un tiers, un quart, et puis par la suite, un cinquième, un sixième, un septième, etc. C'est assez facile. Mais je peux aussi travailler sur « Mettez dans votre main ». Je peux demander ça à mes élèves. Regardez. Voilà. Tout construit pour vous. Je peux demander à mes élèves « Mettez dans votre main ». Un demi de vert foncé. Qu'est-ce que vous avez? Un demi de vert foncé. Et maintenant, vous mettez dans l'autre main un demi de vert foncé. Un demi de vert foncé encore. Donc, j'ai un demi de vert foncé. Mettez tout ensemble. J'ai un demi de vert foncé. Et encore un demi de vert foncé. Et là, je peux écrire. Ce que j'ai dans la main, que je peux poser là. J'ai un demi de vert foncé plus un demi de vert foncé. C'est égal à, eh bien oui, deux demi de vert foncé. D'accord? Et c'est aussi égal, et je le vois tout de suite, à une vert foncé. Parce que quand j'écrivais comme ça, c'est sous-entendu, j'ai une vert foncé. D'accord? Et puis, je peux leur dire, bon, ben maintenant que j'ai ça dans ma main, est-ce que je peux rajouter une vert foncé? Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Un demi de vert foncé, plus un demi de vert foncé, plus un demi de vert foncé. 3 demi de vert foncé ou 3 fois un demi de vert foncé. Vous voyez tout ce qu'il est possible de faire rien qu'avec un tout petit tableau. Alors après, ben, on combine avec d'autres tableaux, etc. Je peux aussi faire autre chose, regardez bien, qui est assez intéressant. Je peux aller dans... admettons, je prends... un demi de vert foncé et je rajoute un tiers de vert foncé. Alors j'y vais, c'est comme un train, voilà, je fais un train. J'ai un demi de vert foncé plus un tiers de vert foncé. Alors c'est égal à quoi? Alors là, pour l'instant, je n'ai pas parlé de mise au même dénominateur, tout ça, je n'ai rien fait, mais je peux répondre à la question. Je viens mesurer, je compte 1, 2, 3, 4, 5. C'est égal à 5 parties des 6 parties qui font vert foncé. C'est égal à 5 sixièmes de vert foncé. Je vais m'arrêter là pour les fractions, mais vous voyez que ça peut être vraiment, vraiment très étendu comme utilisation et comme découverte possible pour les fractions. D'ailleurs, c'est par là qu'est arrivé beaucoup de prise de conscience et les réglettes dans l'éducation nationale en France sont connues particulièrement pour cet aspect-là, pour travailler les fractions. Bien. Nous avons encore quelques minutes. Alors, je vais passer pour le collège. Au collège, on fait différentes choses et vu le temps qui me reste, on va juste faire rapidement un petit travail. Vous vous rappelez, on a fait des tapis. Tiens, je vais faire un tapis, tiens, celui-là. J'ai combien de fois la jaune? Je l'ai 3 fois la jaune, n'est-ce pas? J'ai 3 fois la jaune. Alors, je peux écrire que j'ai 3 fois la jaune. Là, mon tapis, c'est 3 fois la jaune. D'accord?
Mais je pourrais très bien dire que c'est aussi, vous voyez, je peux mesurer le côté là, c'est vert fois la jaune. C'est-à-dire, soit je suis dans le numérique, soit je choisis de mesurer mon tapis avec une autre réglette et je vois que c'est vert fois la jaune. D'accord? Et maintenant, je pourrais faire un autre tapis. Tiens, faisons celui-là. Alors, je regarde et je vois que c'est 5 fois la jaune ou bien que c'est jaune fois la jaune. Oui, ça va? Mais si j'en fais le contour, ou si je mesure, qu'est-ce que je vois? Je vois que le contour de cette forme, c'est un carré. Donc en fait, jaune fois la jaune, ça forme un carré. Eh bien, du coup, il y a une autre manière de noter cette multiplication. C'est jaune au carré. Et les mathématiciens ont choisi que ce soit un petit signe ici qui soit le signe qui veut dire au carré. D'accord? Ce signe dit quoi? Jaune, jaune. Voilà pourquoi le 2. Alors, on peut aller plus loin. J'ai celui-là, mais je peux aussi dire, tiens, celui-là. J'ai vert fois vert, et donc c'est vert au carré. Pourquoi? Voilà. On le voit. Je vais faire avec celui-ci, etc., etc. D'accord? Mais je peux aussi faire autre chose. Tiens, si je faisais vert fois vert, mais cette fois-ci, je monte et je forme cette forme. Alors, je vais très vite. Ça ne se fait pas comme ça aussi rapidement avec les élèves, c'est pour vous. Donc, j'ai bien ma base carrée, n'est-ce pas? Et je mesure vert fois vert, c'est ce que j'avais au début. Cette fois-ci, j'ai aussi vert dans ce sens-là. Donc, cette fois-ci, j'ai vert fois vert fois vert. Et ça fait vert oh, au cube. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 2. Les puissances sont abordées très rapidement. Alors, vous me direz, mais la puissance 4, ça serait quoi? Mais la puissance 4, ça serait long à faire devant vous. Là, je n'ai pas trop le temps. Ça veut dire que je monte encore 3 carrés de la même manière que celui-là, ici à côté. Donc, j'ai une barre de cube. J'ai 3 fois ce que j'ai déjà. C'est-à-dire, j'ai vert fois ce que j'ai déjà. Donc, je vais voir que vert fois vert fois vert fois vert, ça fait vert à la puissance 4. Et ainsi de suite. Et en mathématiques, ce qui est important, c'est de démarrer petit pour comprendre ce qui se passe. Et à un moment donné, c'est trop compliqué de manipuler. On laisse de côté et on reste avec l'aspect abstrait. Et c'est avec les images mentales que l'on aura construites tout au long de nos manipulations, ce seront ces images mentales-là que l'on va manipuler. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est fini? Presque. Donc, je peux aller un petit peu plus loin. Ici, j'avais mon carré. N'est-ce pas? Carré de jaune. OK. Je sais que ça fait... Alors, je vais aller en numérique. Comme ça, ça changera un petit peu. C'est 5 fois 5 égale 25. Je sais que c'est égal à 5 au carré. On l'a vu, d'accord? Mais maintenant, je peux aussi faire comprendre aux élèves que cette mesure-là du côté, alors, ça, c'est la racine du carré qui est là.
c'est-à-dire la mesure d'origine, la racine. Du coup, je peux aussi écrire 25, mettre ce signe pour dire racine, donc la racine carrée de 25, c'est égal à la racine carrée de 5 au carré et qui est égale à 5. De la même manière que j'aurai les choses ici, si je mets tout en numérique, 3 fois 3 fois 3, hein, c'était notre cube vert clair tout à l'heure, c'est égal à 3 au cube, d'accord, qui est égal à 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et du coup, je peux même faire, du coup, racine cubique de 27, c'est la même chose que racine cubique de 3 au cube, ce qui est égal à 3. Donc, vous voyez, on peut aller vraiment très, très loin. J'avais prévu de faire les identités remarquables aussi avec vous, mais je n'aurai vraiment pas le temps, donc on va s'arrêter là. Et puis, je vais vous montrer d'autres choses sur le diaporama. On y va. Ah, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Hop, si ça veut bien. Voilà, diaporama. Voilà. Donc, tout au long du travail, il faudra avoir des moments de jeu libre et de production libre. Voici une production d'une élève. Alors, en France, c'est CE1. 6-7 ans, quoi. 6-7 ans. J'ai pris des photos de plusieurs cahiers et ils n'avaient pas travaillé les réglettes l'année précédente. D'accord ? Et nous sommes en novembre. Cette petite est arrivée dans la classe en disant « Moi, les maths, j'y comprends rien. » Voilà. Et sa belle réussite du jour, c'est de pouvoir utiliser les parenthèses ici. Et comment a-t-elle fait? Alors, on voit bien, elle a mis certaines choses. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, alors ici, hein, elle est venue me voir, elle m'a dit « Je ne sais pas, je ne vois rien d'autre. » Je dis bah, tu te rappelles les trains de Nicolas? Ah oui, ah oui, oui. Alors, elle est partie, puis elle revient me voir, je ne vois rien d'autre. J'y cherche encore, tu n'as pas d'autre idée, tu es sûre? Est-ce qu'il y a des réglettes que tu n'as pas utilisées ici? Alors, elle trouve, elle ramène, elle revient ici, elle revient me voir. Elle me dit, je ne trouve rien d'autre. Et j'ai dit, mais alors, est-ce que tu pourrais remplacer un des termes par une opération? Et du coup, elle me dit, bah oui, je peux faire à la place de 6, j'écris 5 plus 1. Et voilà. Et elle revient me voir, elle me dit, ben voilà, j'ai fini. Je dis, mais je suis sûre que tu peux trouver autre chose pour 6 ici. Elle me dit, mais non, j'ai déjà écrit 5 plus 1, je n'ai pas envie. Elle me dit, ben, cherche. Et elle me dit, ben, je peux écrire ça, mais ça fait bizarre. J'ai dit, mais tu te rappelles, on avait trouvé un signe pour que ça t'aide. Et du coup, sa grande réussite, elle était très fière de cette opération parce qu'elle a utilisé enfin en novembre les parenthèses. Pour une petite fille qui n'y connaissait rien en mathématiques, finalement, elle s'en est sortie et le reste, elle l'a produit toute seule. D'autres productions nous montrent quoi? Nous montrent ici, pour le petit Nathan, qu'il a commencé à écrire. C'était juste, hein? De lui-même, il a barré, puis il a tout bien rangé. Tout très, très bien rangé. Plus de place en bout de la feuille. Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis? Eh bien, il m'a dit, ben, là, rien, il n'y avait rien à dire pour cette ligne. Puis, il me dit, mais quand j'ai voulu écrire les soustractions, en fait, il y en avait trop, alors ça n'allait pas. J'ai tout barré comme ça, j'ai mis en colonne. Et il m'a dit, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, il a touché à l'infini de la chose, c'est-à-dire que les soustractions, ben, c'est infini. Belle découverte, toute seule. Vraiment tout seul. Dans la classe, ailleurs, un élève qui a un an de plus, il y avait deux niveaux, il a fait la même recherche, mais à un autre niveau de nombre, hein, on voit bien. Voilà. Il est allé le plus loin possible, et puis quand c'était fini, son défi personnel était
atteint, eh bien, il a produit d'autres choses. Un autre élève qui, lui, a compris ce que c'était que les racines carrées, n'est-ce pas? Il les utilise à bon escient. Voilà, un élève un peu plus qui se donnait un peu plus de défis, qui a voulu utiliser et les racines carrées, et les, enfin bref, beaucoup de choses. Un autre élève encore, hein, du même niveau que le précédent, c'est-à-dire même âge, on voit qu'il a travaillé sur autre chose. Lui, ce qui lui a plu, c'est vraiment les multiples de 10, multiplier des dizaines et voir ce qu'il était possible de faire avec. Ben, ma foi, voilà. Un élève d'un an de moins que tout à l'heure, c'est-à-dire 6-7 ans. Alors, il m'a expliqué que son grand frère lui avait montré le signe infini et donc il a voulu l'utiliser. Je dis d'accord, si le signe infini est ce que tu penses, et je sais où il en est, c'est bon, parce qu'il y a plusieurs sortes d'infini, n'est-ce pas? Entre 3 et 4, il y a une infinité de nombres. Mais ce n'est pas le même infini qu'entre 374 et 375. N'est-ce pas? Donc, ces deux infinis-là ne peuvent pas se soustraire l'un l'autre. On ne pourrait pas écrire ça. Et voilà, le petit là, il a 6-7 ans, pour lui, l'infini, c'est des nombres qui iraient au-delà des nombres qu'il peut compter. Et on est dans les entiers, n'est-ce pas? Dans rien d'autre. Donc, voilà. Et puis, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. La phase suivante est intéressante parce que les enfants sont invités à noter l'égalité qu'ils ont le plus aimée, celle qu'ils préfèrent, celle du jour où vraiment ils ont pris beaucoup de plaisir, ils l'aiment beaucoup. Et on met tout en commun. Donc, vous avez une trace ici de plusieurs élèves qui ont écrit des choses. Alors, on reconnaît celui-là, hein, qui était juste l'image d'avant. Et ici, vous voyez l'utilisation des parenthèses tout à fait à propos. Parce qu'ici, il y a le signe moins. Et il fallait bien faire comme ça. Alors, comment l'élève est arrivé jusque-là? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il a fait un travail de substitution. Voilà. Hein, d'une ligne à l'autre, il a avancé pas à pas. Il est arrivé jusqu'à cette expression. Et je peux vous dire que les élèves ont un grand plaisir d'écrire librement. Là, la consigne, c'était juste, avec le nombre 12, pouvez-vous trouver des opérations que, voilà, celles que vous voulez, inventer des opérations qui font 12. Voilà pourquoi vous avez toujours 12 égales. Alors, la personne qui a beaucoup travaillé en maternelle, mais qui, dans ses livres, sont vraiment... Il y a une ressource juste phénoménale d'exercices possibles et d'expériences. C'est Madeleine Goutard qui a beaucoup travaillé, donc je vous disais, en préscolaire, qui a même été présidente de l'OMEP, l'Organisme mondial de l'éducation préscolaire, pendant presque 10 ans, je crois, 8 ou 9 ans. Elle a beaucoup travaillé notamment au Canada. Et donc, ces trois livres-là sont vraiment juste des perles, voilà, tous autant qu'ils sont. Et puis, Caleb Gattegno a écrit beaucoup de livres aussi pour étendre l'utilisation des réglettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, à des niveaux supérieurs à d'autres utilisations. Donc, voilà ici quelques livres. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute. Voilà, on est prêt pour les questions. Alors, merci Cécile. Il y a une question en fait de Juliette concernant, alors, quelles manipulations sont pertinentes pour faire percevoir la différence entre surface et périmètre? Il me semble que tu en as parlé un petit peu par rapport au... Oui, alors on va revenir avec la caméra à ce moment-là. Je vais fermer ça. Ah oui, il ne veut pas comme ça. Voilà. Alors, surface, voilà, tout est coloré de jaune. Mais il y a d'autres exercices possibles. On peut leur demander, par exemple, on pourrait leur demander, est-ce que vous pouvez, alors, ils ont, surtout quand ils ont peu d'expérience avec les réglettes, mais même, on peut leur demander, pouvez-vous, avec... des réglettes vert clair, faire un carré. Bon, vous allez avoir ça comme solution différente.
Alors, ils vont chercher à faire un carré. C'est embêtant parce que ça ne fait pas de carré, n'est-ce pas? Alors, bon. Et on va chercher. Pendant un certain temps, on va chercher. Puis, certains vont arriver à ça. D'accord? Bon. On va pouvoir faire verbaliser ce qu'ont fait les élèves, l'erreur précédente, pourquoi ce n'est pas un carré, parce que les longueurs, etc., etc. Bien. Et à un moment donné, on peut leur dire, maintenant que vous avez tracé, voilà, j'aimerais bien un carré tout colorié de vert. Alors, ce n'est pas celui-là, hein, il n'est pas tout colorié de vert. Je voudrais que là, à l'intérieur, soit tout vert. Donc, il y aura une certaine recherche et on va arriver à celui-là ou d'autres parce qu'ils peuvent choisir de mettre plus de réglettes vertes. Mais donc, quand on leur demande tout colorié de vert, on est d'accord qu'on est sur la surface. Donc là, on touche la surface. Et du coup, on peut leur dire, tiens, la surface, c'est bien toutes ces réglettes, d'accord? Je peux même la calculer en mettant des blanches dessus pour compter combien ça fait, d'accord? En blanche. Mais si je trace autour, alors excusez-moi, je tremble un peu parce que ce n'est pas une position très agréable, mais bref, si je trace autour, pourquoi je peux considérer que c'est un carré, si je fais le trait autour? Parce que chacun des côtés ont la même longueur. Ça, c'est la trace laissée par. D'accord? Et ici, c'est la surface du carré qu'on a fabriqué. Voilà. J'espère que ça répond. Je ne sais pas. Une autre question? On n'a pas d'autres questions. Pour l'instant? Oui, pour l'instant. Alors, je ne sais pas si ça répondait à la question de... De Juliette. Elle nous dit, Juliette, si c'est bon. Je sais qu'il y avait une question de Rita dans les inscriptions. Oui. Rita qui se posait la question de comment faire comprendre la multiplication. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire comprendre dans la multiplication? Que c'est une addition réitérée. D'accord. Ça, c'est assez rapide. Ils peuvent le comprendre. Bien. Mais ce qui nous gêne souvent, la compréhension le point qui est difficile à faire comprendre, c'est la distributivité. C'est-à-dire que la multiplication se distribue sur l'addition. Si je prends cette addition, jaune plus vert, et que je la veux 4 fois, voilà. 4 fois jaune plus vert ou rose fois jaune plus vert. Voilà. C'est ce que j'obtiens. D'accord? Faire écrire ce que je viens d'obtenir, c'est-à-dire, alors, je peux prendre, soit je prends la valeur, c'est-à-dire je vois, il y en a 4, donc je peux dire 4 fois jaune plus vert, soit alors je dis rose fois. À vous de choisir, hein, tout dépend des élèves. Admettons, je prends 4. 4 fois jaune plus vert. Qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est 4 fois jaune. Et encore, donc plus, hein, j'ai un tapis 4 fois jaune, plus 4 fois vert. Voilà. Ça, c'est la première étape à comprendre. Pas besoin de grand nombre. C'est la première étape. Et puis ensuite, il y a l'étape où c'est la double distributivité. Donc à ce moment-là, il va falloir aller un petit peu plus loin. Je voudrais cette fois-ci un tapis. Hein, je voudrais jaune plus vert, mais cette fois-ci, c'est 4 plus 2 fois jaune plus vert. Alors, je vais le construire. Ah, j'ai tout bien construit, j'ai bien ma mesure, d'accord. Et qu'est-ce que je vois? Ah, je sépare. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que 4 plus 2 fois jaune plus vert, encore une fois, j'aurais pu mettre rose plus rouge, hein, d'accord?
C'est la même chose que quoi? Ben, je regarde. Ici. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai 4 fois jaune. Et puis ici, 4 fois vert. Et puis dessous, 2 fois jaune. Pardon pour les signes, ça glisse un peu. Et puis 2 fois vert. Et là, je suis au contact de la double distributivité. Ça, c'est la racine de la compréhension de la multiplication posée. Nul besoin d'écrire, de symboliser des grands nombres. On fait avec des petits nombres pour que la multiplication et la manipulation soient simples et rapides, de façon à ce qu'on soit au contact de cette distributivité. C'est ce qu'on voit là. D'accord ? Voilà. Et on va faire ça plusieurs fois avec des signes d'abord, hein, d'accord, juste avec les couleurs, puis avec des nombres. Et puis, à un moment donné, on va augmenter les nombres et on va dire, c'est bon, là, c'est trop compliqué, il faudrait trop de réglettes, c'est trop long cette manipulation. Et alors, on manipule avec des objets fabriqués, des concepts, donc des images mentales que l'on a fabriquées lors des manipulations. Et c'est ça qu'on va manipuler. Donc, pour des grands nombres, ensuite, on n'aura plus besoin de tout ça. On va rester avec l'écrit. Mais il faut avoir passé par la construction de l'image mentale, notamment pour tout ce qui est propriété. Il faut l'avoir fait en petit parce qu'on fait beaucoup avec peu. J'espère que j'ai répondu à Rita, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas de nouvelles de Rita, mais en tout cas, une réponse de Juliette qui dit oui, ça répond à mon problème. Merci beaucoup. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, il est 11h16. Ouais. Ah, t'entends. Alors, je vois Samira qui a posé une question de formation à distance. Rita vient de répondre. Donc, oui. C'est bon pour elle. Rita, c'est bon, elle a eu sa réponse. Super. Merci, Rita. Ravie qu'on vienne. Pour Samira, c'est à l'étude. Et il y a des grandes chances que des choses sortent très rapidement en termes de date, mais je ne les ai pas là, les dates. Mon calendrier n'est pas encore tout à fait au clair, mais oui, ça va arriver à distance, oui. Bon, plus d'informations après le 15 juillet, on va dire. Voilà, c'est ça. La question de Tamira, c'est est-ce qu'on peut avoir des formations à distance? Oui, on réfléchit. Oui. Mais on réfléchit, mais ça va arriver d'ici peu. Enfin, ça sera bien avant la fin de l'année, voilà, la fin de l'année civile. Hein. Voilà. Pas de souci. Donc, on a les remerciements de Marie-Laure, de Sylvie, de Christelle pour ton information, Cécile. Merci à vous d'avoir. Voilà, merci d'avoir à vous été présent. Ce sont autant d'encouragements pour la suite. Voilà, on en fera d'autres. Voilà, super. Ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, voilà. Cécile. Bon, ben on va arrêter là le webinaire. Je vous dis bon week-end. Hein. En tout cas, ici, il fait super beau. J'espère pour vous aussi. Bonne balade, aérez-vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. À bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir.